Je sais pas, moi. Tu pourrais par exemple avoir un peu de courage, reconnaître que j'ai sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Enfin, la tienne. Tu te souviens quand même que c'est toi qui m'as piqué mon sujet. Parce que bon, j'avais pris de l'avance et que ça aurait été con de gâcher les mois de recherche que je m'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Faut pas gâcher, hein, Pierre? Et que pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? Oui, bon. C'est vrai qu'avec mon congé maternité, moi j'en avais du temps. Les enfants. Parlons-en des enfants. Tu te souviens que c'est toi qui m'as supplié d'en avoir parce qu'il n'y a rien de plus beau. Mais tu t'en es quand même jamais occupé. Je suis lâche. Le dimanche soir, parfois, ça te prend. Tu joues un quart d'heure avec eux. Tu me les énerves bien, on s'en fout, là, juste avant qu'ils aillent se coucher. Et qu'après, tu me les laisses sur les bras. Surexcités, trempés de sueur, avec les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les cartables à préparer, les pipis et les cauchemars. Et que tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, faut pas déconner, les chiards, ça va 5 minutes. Mais t'as pas terminé l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier numéro de Tel Quel.